Salut tout le monde, comment ça va sur le campus de la Solfi Academy? J'espère que ça va. J'espère que vous avez passé, j'allais dire une bonne journée, machin, mais bon, ça fait déjà 10 jours qu'on s'est pas vu, donc voilà. Mais j'espère que vous avez passé un bon Six Invitational, une bonne nouvelle saison, une bonne semaine, une bonne année, une bonne, je sais pas quoi, quoi. Vous avez passé des vacances? Vous étiez parti en vacances peut-être? Hein? Est-ce que vous étiez parti en vacances? Est-ce que vous êtes parti en Tunisie? Hein? Je n'ai croisé personne là-bas. Personne, non. Non, sérieusement. Ah puis j'ai une astuce. J'ai une astuce en fait qui est sans faille. Quand je voyage sans casquette. Du coup personne me reconnaît. Hein? Il va fermer sa gueule le camion là. Et mes chameaux, ils sont là, mes chameaux. Ah, ils sont toujours là. Hein? Voilà. Personne ne me reconnaît quand j'enlève la casquette. Bon bref, rentrez. Welcome home, proviseur. Sympa les chameaux devant le campus, Kappa. Ouais, bah faudra les dégager quand même. Il faudra que je récupère ma gonzesse. Hein, parce que... Ah ça c'est le problème. Hein. Ouais, non mais moi, je suis un peu businessman dans l'âme, vous savez quoi. Donc, à un moment, le premier, tu sais, il te dit ouais, ta gazelle contre un chameau. Moi, j'avais pas compris. En fait, tu vois, je ne savais pas que l'unité de transfert et d'échange là-bas, ce qu'on appelle communément le troc, hein, eh bien, je ne savais pas qu'une gazelle correspond en fait à ma gazelle. Hein? Donc, du coup, elle est toujours là-bas, quoi. Et j'ai des dromadaires. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Ok, effectivement, elle est plus grande. Enfin, elle semble plus grande. Enfin, je ne sais pas en fait. On va mettre le truc. Oui, c'est ça là. Anglais drip. Il y a marqué anglais drip. Bah oui, bah, je veux la petite icône de l'anglais drip, moi, tu vois. Et quand je fais ça, là, je veux que ce soit un anglais drip là. Hein? L'anglais drip ici, petite icône. Et là, je veux que ce soit un petit ACOG. Et là, je veux que ce soit un petit compensateur. Que j'ai pas à chaque fois à aller voir dans le truc, etc. C'est le niveau zéro du jeu vidéo, j'ai l'impression, pourtant, ce truc-là, quoi. Oh putain, il y a tout qui a changé, quoi. The diffuser has been recovered. J'aime pas ce que je regarde, du coup. Y'a plus de ligne! C'est quoi ce map? Ah! Mec! Pour moi, ça a pas changé. Oups. Putain, mais j'ai plus du cul, quoi. Putain, mais ça a complètement changé. Ah, c'est pas une petite transformation, quoi. C'est qu'une totale métamorphose, le truc. Et là, c'est comment? Ah ouais! Ah, j'ai pas du tout vu. Donc du coup, ça, c'est le nouveau grenier, ok. Oh! One friendly operator remaining. Op 4 eliminated. Putain, je suis paumé. Complètement paumé. Bon, après, ça va revenir vite. Ça fait mal. Ça fait mal, le retour. Ça fait mal. Bon, ils ont coupé les spawn kills, quand même. Enfin, pas celui de l'armerie, visiblement. Difficile d'avoir un game sense sur une map que tu connais vraiment pas du tout. Bon, il y a certains trucs qui sont au même endroit, visiblement. Ça change pas. Oh, please! C'est quoi ce timing? On est où là? Oh la vache! Ça sert à quelque chose maintenant de renforcer la tête. Maintenant tu renforces par habitude. What the heck? Ok. 10 seconds left. Ok, tu perds 10 HP à chaque fois. Et il y a donc le shotgun pour remonter par la trappe. Je vais prendre le moine d'une ligne que je connais pas, j'imagine. Pff, sans ACOG avec la fumée, on voit rien. MP5 avec un holographique, mais jamais j'aurais cru ça. Toujours sauter là. Hein.
C'est sexy comme opérateur, mais est-ce que ça sera vraiment utilisé? Bah, pour remonter les trappes. Putain, c'est dur. Hein. Franchement, la DS, je le trouve vraiment nul à chier. Du coup, c'est un bon roamer. Bah, avec un MP5. Il est lourd, non? Il fait. C'est un 2-2, j'imagine. Un roamer en 2-2, c'est un peu de la dope, non? Bon, bah voilà. Tes roamers, c'est plutôt du pulse, vigile, plutôt de la LA. 2-2 pour un roamer, ça fait un peu chier, quoi. Tu rompes pas avec Capcan, quoi. Ouais, mis à part Jagger, mais Jagger a au moins la particularité d'avoir une bonne arme, quoi. Ah bah je veux dire, tu mets toujours une clé mort devant le main, hein. Ça c'est au cas où il y a un mec qui sort devant le main. La preuve. La base. La clé mort du main, quoi. Ah non, il y a Sheiko, putain. Je pense que c'est le vrai en plus. C'est lui, hein. Les mêmes stats. Les mêmes stats pendant le cycle. Bronze 3, 06, 06. Ça, c'est lui, hein. Depuis que H a pris un coup dans la gueule. Ah, bah, Sheiko, hein, il s'est fait niquer par Captain Neon Gecko, hein. Ouais. C'est plus ce que c'était, BDS, les mecs, hein. Les Captain Neon Gecko, gros joueur. Il sort à droite. Ah ouais, forcément, mec. Tellement prévisible. Shotgun. C'est le fusil à pompe de cap de machin, ça. Ok, il a pas renforcé là, je suis sûr. Regardez bien. Et là, il y a un... Je le vois. C'est un castle devant moi, regarde. Je veux dire, tu vois ça. Tu vois ça. Et les gens, ils ont un wallack. Tu vois. Ça s'invente pas, tu vois. Regarde. Bon bah après, je connais pas les links. En revanche, je connais pas la map. Toujours pas. Ça va être dur. Mais elle a l'air pas mal, C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, toujours, parce que Oregon a été compétitif quand même pendant très longtemps et que... je préférerais, en fait, un truc. Quitte à retravailler des maps qui sont compétitives ou qui l'ont été, genre Chalet, Oregon, par exemple, j'aimerais bien que ce soit des buffs de map, c'est-à-dire que s'il y a vraiment besoin de les retravailler beaucoup, eh ben que ce soit plus la priorité. Si c'est juste un petit buff, par exemple, un peu comme ça a été fait, bon là, tu me diras sur Clubhouse, c'était quand même un gros, c'était quand même un beau rework, quoi. Mais si c'est entre le buff et le rework, dans ce cas-là, ça me dérange pas que ce soit fait sur une map qui est en ranked. C'est-à-dire on l'upgrade un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est ça qu'il va falloir utiliser, non? Poignée inclinée, ouais, voilà. Exactement ça qu'il faut. Poignée inclinée avec la cogle, hein, je vais le jouer. Alright. Jagger, est-ce qu'il a été changé, nerfé? Bah, du coup, on peut pas lui mettre de... Ah, du coup, ça le nerf automatiquement, quoi. Hein. Bien joué. La DS... Du coup, Jagger va être moins joué. Les Rook et les Dogs vont être moins joués. Quoi d'autre? Tout ce qui n'a pas de poignée angulaire. C'est chaud, franchement c'est vraiment chaud, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les nouveaux ADS, mais alors pas du tout. Ouais, parce que j'avais bien vu la fenêtre là, donc je me suis dit maintenant ça va faire un spawn kill de ouf, quoi. Enfin c'est pas vraiment un spawn kill, mais c'est une agression vers l'extérieur qui est quand même assez sexy, quoi, je trouve. Tu veux pas me tirer dessus, toi? Ah ouais, d'accord, ok. Je la laisse me tuer. Pourquoi elle m'a pas mis au sol la première balle? Waouh. Ah ouais. Ah ouais. C'est horrible, franchement, je prendrai plus jamais Jagger. C'est mort.